Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va? En ce moment, j'ai trop mangé. À la dernière fois, j'ai appris la mort à la française. C'était trop amusant. Il y a beaucoup de commentaires. Merci beaucoup, c'était trop intéressant. Parce que votre pays est trop romantique. Je vais apprendre sur la mort. C'est parti! Question. Quelle est votre impression d'une petite amie française? C'est intéressant pour moi. Les Français sont des petits choupas. Je ne connais pas ce mot. Ah, psychopathe. Waouh, psychopathe. Et mais pourquoi? Vous êtes romantique et vous êtes gentil, sympa, mais il n'y a jamais raison. Vous êtes psychopathe. Psychopathe. C'est toujours bon. Oui, exactement. Peut-être en couple, vous serez psychopathe. Pas compris la question. Oh, pardon, j'apprends le français. Les Français sont tous différents. Faudrait comparer à d'autres pays pour notre vie. Ah, t'as raison, aux Japonais aussi. Ça dépend des gens, ils ont différents caractères. Aucune idée d'une petite amie japonaise. Mais pourquoi? À la fin de la vidéo, je vous dis ce que pensent les Japonais d'une petite amie. Regardez jusqu'à la fin s'il vous plaît. Trop de make-up. Oh, mon image française, elle n'est pas maquillage. Mais dans ce cas aussi, ça dépend des gens. Parce que je connais. Galants français. Ils sont bien moins romantiques et galants que ce qu'on peut imaginer. Et c'est choqué pour moi. Romantique, s'il te plaît. C'est rêve par tout le monde. Les Français sont romantiques et ont galants. Ne cassez pas mon rêve. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et une fille avec qui on peut parler de tout. Les Français sont tics, ils pensent d'elles, mais ils sont parfois capricieuses et égoïstes. Ah, je veux être comme ça. Plus important, c'est moi. Ah, je veux être fille française. Elle dit ce qu'elle pense. Ah, c'est bon. C'est trop important pour un bon couple. Parfois, c'est dur de dire. Si on ne peut pas quitter avec lui, on ne peut pas dire c'est dur pour nous. Les Français disent clairement leur opinion. C'est difficile pour nous. Au Japon, on ne reçoit pas de l'éducation. Éducation à exprimer ses opinions. Au contraire, on apprend la coopération. En vrai dit que je peux parler beaucoup d'opinions. Trop dur, même quand je parle japonais. Je connaissais pas bien. Je veux parler comme vous. Je fais discuter souvent. J'ai dit si je vis en France, je ne connais pas si je peux devenir un ami sans discuter. Donc je veux apprendre beaucoup de français. Je veux plus apprendre le français pour discuter beaucoup de sujets. Tiens, cette question. Quelle est votre image d'une petite amie japonaise? J'ai hâte de dire. Polie, respectueuse, mignonne, gentille, intéressante, intentionnée, une personne souriante, timide et féminine. Désolée, ça m'a fait trop rire. Petite voix, oui, exactement. Jalouse, compliquée, oui, pas du tout. Ça dépend du pays. Mais t'as raison. Toujours souriante et mignonne, des dites mignons. Les Japonais ne sont pas gentiment. Exactement, Kame-chan, elle est ma petite amie. Oui, ils sont pas gentiment. Kawaii, mais très exigeante. On sait bien, manga girl, mini jupe et tenue écolie, toute mini douce et rigolote, parfaite, gentille et amusante, la douceur. Où est-ce que tu as appris ça?
Est-ce que tu regardes vraiment des animés? Toutes les filles japonaises sont pas Mitsuha de Your Name. On sera comme elles. Merci beaucoup de réponses, c'était trop intéressant pour moi. Merci. Oh, c'est important, nouvelle. Je viens de commencer une pro japonais. Si tu intéresses, contactez-moi sur Insta ou mon mail pro. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'aime et abonne-toi s'il te plaît. À la prochaine vidéo.